Ok, je suis pas sûr, je pense qu'on a deux petits extrayeurs ici. En ce jeune homme, on va voir. Et peut-être aussi ce jeune homme. Oh, pelle. Ouais, je pense qu'on a deux petits extrayeurs et on est descendu droit direct ici. Donc, je pense qu'on a deux petits extrayeurs. Oups. Pour commencer cet épisode, il va sûrement se retaper à son ami. Là, je sais pas où est-ce qu'il s'en va. Il regarde tout droit par là, il voit une table de craft. Il voit qu'il y a une mine, il va sûrement y aller. Oui. Il regarde ici qu'il y a quelque chose. Il regarde avec son X-ray. C'est plutôt cramé ici qu'il y a des tables de craft. Qui va essayer d'aller voir. Je sais pas où est-ce que son ami est parti par exemple. C'était quoi le pseudo de son ami? On peut le voir ici. Ankhnolord. Il est parti, je sais pas où. On peut voir qu'il va sûrement descendre tout droit vers là vu qu'il y a de l'obsidienne en dessous de lui. Attendez, on va juste être sûr à 100%. Même pas, il descend pas. Bizarre. Bizarre. Ah, il va peut-être aller directement au diamant qui est là. C'est ça peut-être qui va arriver, non? Ah ouais, c'est ça qui va arriver. Il prend le fer. Il s'en va-tu au diamant, vous pensez? Mon pote, c'est pas une bonne idée. Je te conseille d'arrêter maintenant. Si tu te rends pas au diamant, t'auras peut-être une chance de pas être banni. Malheureusement, tu t'es rendu au diamant. Et toi aussi. Salut les garçons. Donc, comme ça, on X-ray. Pas très gentil tout ça. Je suis déçu. Un petit ban. Ce 30D. X-raying. Et un petit boom. Et un petit ban Unkno. X-raying. Complice. Boom. Voilà, we drop the bomb. On va remettre le diamant qui était ici. On va fermer ça comme ça. Voilà. Et puis je vous dis à tout de suite pour un prochain cheater. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Il essaie de le tuer vraiment là ou c'est une blague là? Comment gros, y'a no stuff, esti, tu me niaises là? C'est une joke, y'a quelqu'un en bas là en plus. Essaye de le bait dans sa trappe, je pense. On le pousse-tu dedans? Oh shit! What the fuck? Hey, il est vraiment pas très doué, hein? Ah, il est mort, finalement. RIP! Okay, vous êtes prêts les gars? On va essayer de le taper, puis il va tomber en bas, puis on va le rembourser de son stuff après, ok? Vous êtes prêts? Il est même pas mort, mon rip. Dommage. Ok les gars, je pense qu'il m'a pas vu. Ah, on a un petit banavating, mesdames et messieurs, un banavating. So frag dans banipé, ban evading. Fois 2, parce qu'il y a deux comptes. Donc voilà. Sur ce genre d'internet, on se reprend pour un autre petit cheater tout de suite après. Ok, à ce qui paraît, il aimerait ça prendre un screen ensemble. Ok, voilà. Ils veulent prendre un screen ensemble. Ça, on va prendre un screen tous ensemble. Allez, voilà, voilà. On va prendre un screen avec mon épée en bois. Tu veux regarder où? Oh, t'as un beau L dans ton visage. Oh, ton ami s'en vient dans la photo. Comme ça, on va prendre une photo juste ensemble. Juste ensemble. Viens ici, mon ami. C'est mon force field, désolé. Force field OP. Désolé. Adios. Bon, j'ai construit un petit canon pour ces abonnés fidèles-là. Et on va essayer de faire marcher le canon. Donc, on va faire ça comme ça. Moi, je pense que ça va marcher comme ça. Attends, je suis pas sûr, par exemple. Je suis pas sûr. Ok.
Parfait. 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 Si vous voulez savoir comment construire ce canon-là, les amis, je vais vous l'expliquer après. Plutôt facile comme canon à faire en plus. À un moment donné, le canon aura plus de TNT, fait qu'il faudra qu'il rajoute de la TNT, mais au moins ils auront un bon début. Je trouve que c'est le fun de raid, puis en plus, je raid pas souvent. J'ai pas le time. Mais ce canon-là, il peut aller super loin, hein, les gars. Inquiétez-vous même pas. Prochaine shot, on va en faire un doublé. Ouais, on va en faire un double. Donc on va faire tac, tac. Oh, ça a presque marché. En gros, il fallait qu'elle remonte là, mais bon, ça a pas fonctionné. Ah, il en reste plus. Faut lui dire, il n'y a plus de TNT. Message Val, plus de TNT rempli et... continue sans moi. Oh ben ils sont rentrés en fait. MDR. Il y a des spawners à Blaze. Oh 4 spawners à Blaze. What the fuck les gars. What the fuck. Never there was break me. Oh, où c'est qui est passé? Ouch, excuse-moi. Ah, c'était pas bien ben protégé, il aurait réussi quand même à rentrer. C'est pas comme si je les avais give. C'est la fac de qui c'est ici? F-map. C'est la feel good. Feels good. Y'a qui dedans? Fakey Flash, Juju et Francisville. Essayez de me faire votre base la prochaine fois, les amis. Je vous aime, c'était un code show! Je voulais juste dire, what the fuck, je suis pas bien dans un gars qui fait un blog de Redstone. Mais en gros, je voulais juste vous dire un gros merci parce que même si le serveur, ça fait 2 semaines et demie qu'il est ouvert, il y a encore aux alentours de 200 co, 180, 200. Alors, on est quoi aujourd'hui? Il est 9h du matin chez moi, donc il est vraiment tôt. Puis il y a déjà pas mal de gens, ça fait plaisir. En plus, ben c'est cool de voir qu'il y a autant de gens qui sont, disons, supportifs de mon serveur, de mon projet. Ça fait énormément plaisir, puis je voulais vous remercier chacun d'entre vous. Je sais pas trop compris ce que le gars il fait. Ah, une forme à... ok. C'est bien fait comme forme à cactus, il va faire une forme à cactus, je crois. Fait qu'on va essayer de continuer à trouver des cheaters, les gars. Je voulais juste vous remercier vite fait comme ça, les amis. Je vous aime, à tout de suite. Oh, les amis, on a un petit AFK. Rafa. Rafa. Il n'y a aucune historique. Fait qu'on va juste le kick pour AFK. Sinon, normalement, c'est banni. AFK 1. Comme ça. C'est interdit d'AFK sur le serveur, les amis. Parce qu'en fait, ça fait qu'il y a des joueurs qui essaient de se connecter. Puis on a juste 300 slots. Puis des fois, il y a des gens qui essaient de se connecter. Puis la règle, elle applique même quand il n'y a pas beaucoup de joueurs. Tout le monde est kick. Quand il y a des AFK, c'est kick, quoi. What? Il y en a qui ont des belles bases. Fait qu'on continue notre recherche. Ok, il y a quelqu'un qui a été report pour hack. Est-ce qu'il paraît shut up? Il a été report par voilà, je suis grosse pour hack. So, on va vite faire regarder ses statistiques. Pas grand chose à prévoir. Je crois qu'il utilise un mode de triche. On va juste voir vite fait. Même pas de force field, tu vois. Ok, ça, je vois là. Utilise quoi comme mode? Il utilise quoi comme mode de triche? J'avoue que ça fait 2 minutes qu'il est sur le serveur. C'est assez bizarre, mais bon. On verra, les amis. On verra bien qu'est-ce qui se passera.
Il va sûrement nous répondre bientôt, je vous le dis dès qu'il me répond. Oh, il a commencé à bouger, les gars. Peut-être qu'il va. Peut-être qu'il va cheat. On verra, on verra, on verra. On va le suivre des proches, les amis. C'est ça, observer des cheaters des fois. Pas toujours cool. Oh, reste pas AFK, je veux devoir cheater, tabarnak. Qu'est-ce que t'as dit, gros? Qu'est-ce que t'as dit, Xylus? Mais les gens, ils jouent leur vie et ils cheatent sur Minecraft en même temps. Ouais, finalement, les gars, il s'est fait virif. Le gars qui l'avait reporté avait tort. En fait, il était un abonné fidèle. Il voulait même prendre un screen avec moi. Il était totalement legit, les amis. Donc, voilà, voilà. Je vous dis bonne fin de journée. A tout de suite. Oh, mesdames et messieurs, vont-ils tester leur chance à drop le spawner? Mesdames et messieurs, vont-ils essayer de drop le spawner? Et oui, mesdames et messieurs, vont-ils réussir? 3, 2, 1, nous allons savoir maintenant. Et malheureusement, le spawner n'a pas drop. Malheureusement. Ok, les gars, ce qui paraît un cheater. On voit le S ici. Watch. What the fuck? Ok, watch. Viens sur Team Speak, s'il vous plaît. Nam, on va voir si cheat.